Oh, t'as aucune. C'est pas la cuisine. C'est du niveau. Là, 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 là. Thomas, c'est ton jeune homme. C'est quoi ça? Bonjour. Pour ça? Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on regarde comme ça là? Ben, mais tu connais pas moi ces poissons chez l'Alzef. Poissons aussi d'Alzef? Mais ça, c'est pas les œufs, c'est les œufs. Les œufs? Les œufs. Les différentes, les œufs, les œufs, non? Ouais, regarde. Hein, les œufs, généralement, on a deux, mais là, les œufs, là, beaucoup là, non? Ça, c'est. Ça, c'est des œufs. De cabot de fond. De cabot de fond. Hein, parce que nous la gagne deux gros cabots de fond, 8 ouais. kilos de cabots de fond, hein, ouais. mais frais, hein, de la Réunion, hein, pas de cabots de fond importés. Hein, le temps de la tuer, l'arrivée de nettoyer, et là on a trop des œufs dedans. Ouais. Hein, et là on se fait un curry créole là. Oui, mais première fois moi ça. Première fois ça. Là on est étonné de voir des œufs poissons. Il est costaud. Hein. Ah ouais. Hein. C'est ouais. pas des testicules, hein, c'est des œufs. c'est ça qui est des petits. Ah, mais c'est vrai, ils ressemblent des testicules. Ouais. Bon. bon, bah, Toto, comment ça fait ça alors? Un petit carré créole? Oui, mais ça, c'est pas la peine que nous parle parce que tout le temps. Tout le temps, nous faisons un petit carré créole. C'est un petit plaisir créole, juste tout pour. Tout le monde peut regarder, il dit comment on a tendance fait tout le temps poisson, le même menu. Mais différent aussi avec un poisson rouge et un cabot de fond. Voilà. Les deux, c'est la même famille. Hein, la chair, les deux, les fins, pareil. Voilà. Sauf que la peau du cabot de fond est un petit peu plus dure plus que dur. La peau du poisson rouge. Hein. Mais par exemple, cabot de fond, si on peut faire un massalé avec. On peut faire un massalé. Voilà. Ouais. Et après, mais dire, par rapport au poisson rose, il reste créole le plus. Ouais. Plus beau à manger. Ouais. Mais cabot de fond, c'est un mérou aussi. Voilà. Les deux vivent en profondeur. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est pêché à 150 à 200 mètres de profondeur. Mais ça, ouais. C'était un joli poisson. Hein. Ouais. Il y avait deux. Hein. Parce qu'il faut voir les yeux, tout ça. Ouais. Hein. Première fois, hein, mais il reste un peu étonné. Bon. Ouais. Ben, voilà. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Ouais. Bon, maintenant, suivez, on va vous faire le carré poisson. Nous aurons des gens tout à l'heure, va venir aussi. Ne dis pas tout de suite, s'il n'y a pas nous qui n'est pas après. Hein. Ouais. Des gens qui pêchent. Hein? Mais qui ne pêche pas aussi. Et cabot de fond, il pêche plutôt dans les mers froides. Hein? Voilà. Mais non, on va voir telle chose qu'on se trouve pas bon. Hein? Non, ni quoi, pas midi à Paris. Hein? Mais souvent, midi, toujours aux gens qui regardent. Non, mais c'est pas la peine. Parce que tout le temps, on fait poisson. Ouais. Mais c'est comme mes autres. Des fois, ici, il arrive à un moment donné, nous. Nous connaissons plus ici que ça faut faire cuire. Non, mais après, chaque poisson est différent. Mmh, voilà. Hein, semaine passée, que, bon, on n'a pas monté à la télé, mais on a fait un vivre de la flamme. Voilà. Il est différent, il cuit différemment. Voilà. Là, un cabot de fond, il cuit différemment. Voilà. Là, on fait une nettoyer, il est tout là. Hein. Ouais. L'ami, on va faire une parée comme moi. Ouais. Après, là, on se prépare des épices ou là. Hein. Voilà. Ben, nous, on va voir où t'as l'air alors. À l'œuvre. Bonsoir, décoiré la météo une fois pour les oignons. Voilà, exactement. Ça fait cause de mon nous là. Non, moi, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer. Oui, parce que. Mais on ne pleure pas. On attend l'air donc. Ben, m'y pleure pas donc. Et l'autre jour, Bernard, dis-moi, pour pas pleurer, il faut laver les oignons. Ah, ouais. On m'a pas lavé là, les oignons là, comme. Ah, là, hein, c'est pas grave. Hein? On va voir. Si m'y plaire. Un jour, plaire des jours, plaire toujours, comme ça, mais au moins, pas grave. Hein? Comme ça, m'y connais pourquoi il m'y plaire. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez faire appeler après un oignon qui est appelé après un moine. Ah oui, voilà. Une femme, hein? Ah oui. Coco. Ah, hein? Non, vous voulez plus pour une femme comme elle là? Ah non, finis ce temps-là. Ah, au pleur, voilà. Ah, moi, m'y pleure. Mais rapproche les oignons alors. Rapproche les oignons. Tu peux pleurer un peu maintenant? Tu pleures plus où? L'oignon longtemps t'es fait pleurer par cette comme elle là. Ah ouais, on a raison, c'est vrai. C'est la terre. C'est la terre. Ah bon? Ça dépend quels oignons aussi. Peut-être ces oignons sous serre, peut-être. Ces oignons sous serre. Sous terre. Cet oignon au pays fait plus pleurer. Ben. Les oignons au pays fait plus pleurer. Peut-être. Ah ouais. Ah, Bernard, là, il est peut-être maintenant allié. Bernard, il n'y a pas causé aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Bernard, hein, à vous plaire, ou un peu, vous allez encore plus aujourd'hui. Là, des amis arrivent le déj sur la montre à PV. Mais peut-être, Edwige, alors. Edwige, encore plus aujourd'hui, on plaît. Un petit peu. Un petit peu. Des fois, oui. Des fois. Un seul monipère. Il habite en pont. Et comment il appelle? Tianakoun. À cause. Ben, à sa coulisse, à un enterrement, il plaît, il met des oignons. Monsieur Tianakoun. Monsieur Tianakoun, il met des oignons sur le jardin, il plaît. C'est un mythe, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, il plaît. C'est pas vrai, il plaît vraiment. Vraiment. Il pleut vraiment. Oui, Bernard. Oui.
Mais elle dit qu'on n'est pas s'il est plein bien les rires. Bon, un petit coucou à monsieur Tianakoun. En vrai, Tianakoun, hein. C'est bon. Christian, comment ça va? Ça va, bonsoir, mon coeur. Mais là, dès qu'on arrive, on est au pilon. Toto, on va mettre lui au pilon dès qu'il arrive. Ah, ben. Pilon Calou. Calou pilon. Calou pilon. On avait un petit message? Ben, aujourd'hui, on fête l'anniversaire pour moi, ma première fille. Comment elle s'appelle? Frédéric, voilà. Frédéric. Elle a 36 ans. Ouais. Et, ben, elle est très chère à moi, donc. Non, pas nous, mais lesquels, là. Et bon, là. Ben. Okay. Après, mais il profite de l'occasion, un petit coucou, le bon personne qui reconnaît à moi. Et puis, un petit bisou, mon bon enfant, avec mon bon petit-enfant. Ah ouais. Océane, Maël, Elsa, Kenaël, Irina. Ça, c'est le petit-enfant, là. Ben. Ah, à 5. Mais d'accord, là. Mais bon, bien sûr, cuisiner alors. Ok, hein? Ok. C'est bon. Patrick, qu'est-ce qui est arrivé? On fait un petit peu de bois. Un petit peu de bois? Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on fait un petit poulet frite. Un petit poulet frite. Au cas où Nénè, on ne mange pas. Il mange pas poisson. Ben. Parce que Nénè, on ne mange pas poisson. Hein? Ben, Christelle, de l'autre côté là-bas, il ne mange pas poisson. Donc, c'est pour ça, elle a toujours un petit affaire à côté. Dans la case créole, elle a toujours un petit affaire à côté au cas où on ne mange pas une affaire. Hein? Ben, Christelle, la pire, elle arrête poisson le soir. Ah, il y a pire, elle arrête poisson le soir alors. Mais bon. Alors ça me dit, j'ai eu le feu là, hein. Et là, fait frites allez alors, hein. Fait frites allez, après il a un petit peu de l'eau. Ah, là, ça me dit, voilà, si nous voulons pour fabriquer un petit peu de l'eau, donne un petit peu quoi, de la siave. Non, l'ail. L'ail un petit peu de girofle, un petit peu de feu. Ah, comme un petit rôti alors. Ah, comme un petit rôti. Voilà. Après, là, dedans, il a cuit. Après, rien de plus facile, hein. Ouais. Facile, ça. Mais ça, nous fait ça souvent ici, jusqu'à l'Australie, hein. Oui, ben. Et généralement, tout le temps, au même, c'est ça. C'est bon, alors. Ok. Christelle, qu'est-ce qu'on fait avec bonne vie, là? Ça a ramassé. Allez. Ça a ramassé. D'accord. C'est comme ça que la pute est là. Hein, parce qu'il casse bien mon plaisir. Bah. Hein, mais voilà. Mais t'as l'air, non? Attends, là. Comment ça va, toi? Bien. Hey, t'as bien chanté la dernière fois que je t'ai vu à la télé. C'était qui la chanson que tu as fait, là? Ben, Canacelle. C'est Canacelle? Et tu connais toutes les chansons de Canacelle? Mmh. Ah bon? Comment ça se fait que tu connais les chansons de Canacelle? Ben, ma maîtresse m'a appris. Ah, ta maîtresse à l'école? Oui. Ah, bon, alors, d'accord. Ben, bon, alors, ben, la prochaine fois, tu chanteras une autre chanson de Canacelle. D'accord, monsieur. Ça l'aime un petit peu? Oui, ça l'aime un petit peu. Voilà. Ouais, même là-bas, déjà salé aussi, ça, hein? Voilà. Mais les bons hommes, ça va, tu connais pour moi, alors? Oui, c'est cool. Toto, moi, on a commencé à faire un petit carré poisson. Mais ça, c'est sans piment, ça, hein? Ben. Hein, c'est bon? Ok, alors. Après, t'as l'air d'un pour le reste. Là, on rajoute du jus dedans, hein, dans le rôti. Et là, on laisse. Hein? Oui, quand il est ça qui est bon. Hein? Quand il est ça qui est bon. Hein? On a l'ail, on a le thym, un petit peu de sel. Hein? On a toutes nos épices là-dedans. Hein? Hein? Oignons à point. Hein? Non, oignons. Oignons à point. Hein? On a fait toutes les épices alors pour le poisson. Hein? Enfin, le poisson avec piment, parce que le poisson sans piment, il est presque fini là. Hein? Hein? Mais bon, le poisson sans piment, il porte pas la pièce. Hein? Hein? Là, on est là en live. Moi, j'ai un live, j'ai un genre, il voit le côté. Ah, oui, il n'aime pas causer trop, hein? Elle dit qu'on ne donne pas trop de secrets. Hein? Le secret d'un bon carré poisson, c'est quand même les épices que vous mettez dedans, hein? Ben oui. Hein? Le secret d'un bon carré poisson, c'est quand même les épices que vous mettez dedans, hein? Ben oui. Hein? J'ai un genre. L'ail, comme ça, non, encore, il n'y a pas de janou là. Piment. Piment, ah, là, il y a piment. Piment. Voilà. Et dis-je, les pandas, là, les gâteaux, on met comment les gros. Patrick, les gâteaux, on met comment les gros. Les gros, mais. Et mais ici, ça trop fort. Ah, pas fort. Pas fort, hein. La qualité piment, pas fort. La qualité piment, pas fort. Patrick, ça fait un peu le grain. Oui, c'est un peu le grain alors. Ouais. Et bien, le rôti là-bas, fin fait. Oui, le voilà, ici, il est bon. Ah, il est bon. Donc, la partie vite alors. Oui. C'est un rôti, un poulet frites. Un poulet frites mélangé, un rôti, mais poulet frites. Tout le temps, ça va alors. Un genre de mélange. Il casse pas la tête ici, un instant. Hein? Un instant, ben. Un instant, il donne manger de moule. Hein? Oui. Ah, il est bon alors. Ça couille un petit peu, hein? Ben.
Alors, ça finit un petit peu tout au midi. Oignon vert aussi, ma vie, on a préparé un peu là. Ah, je prépare un peu les oignons verts aussi. Hein, donc maintenant, ça attaque le poisson. Là. Avec piment. Avec piment, hein. Voilà. Ben, parce que le poisson sans piment nous rappelle que, bon, l'huile est là, hein, mais la ferrie comme ça, un petit peu, comme ça, pour ça qu'il ne mange pas piment seulement. Hein. Et là, le feu est doucement dessous, ça. Vous tournez un petit coup? Balancez un petit peu? Balancez, mais on regarde notre torche. Regardez notre torche, on y revient alors. Pour le pain, ça? Bon. L'oignon, l'ail, le thym, le sel, pas de poivre. Tu mets de poivre. Tu mets de poivre aussi, hein. On rajoute le pain dedans. Et là, pour l'aspirer un petit peu. Ouais. Normalement, le grenade est cuit. Oui, il est grave, il est cuit. Laisse ça y mijoter un petit peu. Il mijote un petit peu. Il y a le goût. Hein. Là, on rajoute un petit peu de l'eau dedans. Parce qu'il faut, ou plus près, le grain, on préfère le grain quand on a un petit peu de liquide. Oui, la carte plutôt, oui. Plutôt quand il est liquide. Ben. Ah ouais. Là, le liquide. Là, il va. Ça fait un petit peu. Ça réduit un peu. Ben. D'accord. Ah, il couvre là, alors. Ah. Toto, ça y est, on démarre, on carré poisson, là. Ouais. Hein? Et vous mettez de sel dans l'huile, ouais. Ouais, mais. Hein? Mais t'as vraiment un peu, faut mettre. Faut mettre même. Les oignons tout de suite, dès que l'huile, là, tu dis quelque chose. En tout cas, on ne met pas de l'eau dans l'huile. Hein? Ça ne faut pas, hein? Ouais. Malo, c'est quoi ce gros assiette là? Les épices. Les épices? Alors, l'ail, gingembre, piment. Hein? Quand on met piment, on ne met pas de poivre. Non. On ne met pas. Hein? Alors, les incarnés poissons, ils mettent poivre. Les incarnés poissons, ils ne mettent pas de poivre. Non. Hein? L'idée, ils ont moins des poivres là. Mais bon, voilà. Vous ne mettez jamais poivre dans les incarnés poissons. Hein? Et là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça prend. Hein? Le curcuma. Elle dit râlin branchetin. Elle dit râlin branchetin. Elle lavait d'abord. Hein. C'est le curcuma, il a tout petit boulot aussi. Ouais. Hein. Il n'y a pas rien que la poule jaune. Hein. Le curcuma, c'est un médicament, m'a toujours dit. Ouais. Donc la palisse à Tiao. Hein. La palisse à Tiao. Ouais. Et là, Malo, on mène un peu le tempo. Ouais. Comment on l'accepte dedans, là, Malo? Il fait prier. Il fait prier, il accepte. Dans le cas, si elle est cuisante. Hein. Voilà. Tomate tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais de toute façon, le feu est fort, hein, donc c'est pour ça que ça fait cuite. Hein. Ouais. Et là, cette sauce. Hein. Baisse un peu le feu. Voilà. Et c'est ça, c'est le secret du carré poisson, la sauce. Hein. Ouais. Hein, sous la carte, ça est baisé. Ah ben oui. Les foutus, excusez-moi, il ne faut pas dire ça. Les foutus. Mmh. Mais comment on peut rater une sauce comme ça? Pas possible. Les rats. Hein, les rats. Mais jamais loupé. Faut jamais louper. Mais c'est les proportions qu'il faut faire attention. Hein. Ouais. Hein, la bonne quantité de l'ail, bonne quantité d'oignons, bonne quantité de safran. Faut pas être trop jaune. Hein. Parce qu'un carré de poisson, s'il est trop jaune, n'est pas bon aussi. Et voilà. Ouais, ça va. Comment l'arriver, non? Comment l'arriver, hein? T'as oublié quand? Ils ont dû l'acheter à lui. Ils ont dû avoir le bras croisé. Dans le nettoyage. Donc, pas qu'on a le bras croisé comme ça. Hein? Non, mais mieux, maintenant, ça va mettre maintenant poche. Les bons, ok, pas, ok, pas. Un petit coup de main. Mais non, presque fini, nous, les bons. Ouais, presque fini, nous, là. Les bons, bien bienvenue, là. Nous va manger bonnet. Nous va manger bonnet. Les bons, alors, quel le grain là-bas, Patrick, t'as fini. Et là, il reste le poisson. Le tibichic arrivé. Tibichic? Mais c'est pas caribichic aujourd'hui, hein? À toi, petit bichic, hein. Mais bon, ça, ouais, monsieur, à côté là-bas, moi, regarde. Avec Malo. Malo, oui. Vous connaissez monsieur là-haut? Non, première fois, moi. Première fois, Wally, monsieur Malbrook, comment ça va? C'est pas moi, monsieur Malbrook, hein? Carlo, mes amis m'appellent comme Carlo, Carl Malbrook. Voilà. Hein, Carl Malbrook, voilà. Voilà. Bienvenue ici, passe à la boue. Ah, ben c'est un plaisir pour moi, Jean-Claude, de connaître très bien les liens d'amitié que nous en avons. Et nous n'avons pas toujours eu l'occasion, et là, c'est l'occasion que nous vient là.
avec mon ami Krishna, c'est un ami de longue date. Hein? Après, il regarde mon cuisinier, les bananes, hein, les tréfonds, Patrick qui cachette là-bas, il a. Patrick cachette, mais non, mais il y a le grain cuit. Hein. Patrick, hein? Quand on cachette, ben. Nana Toto, Christian, ça c'est. Moi, ça va. Toto là-bas. Voilà. Là-bas. Et c'est bon, vous voulez. Moi, maman, elle est forte. Dans un hein? Krishna, hein? Hein? Dans la cuisine, hein? Oui. Et là, moi, t'es tendu avec. Jean-Claude avec Bernard. Bernard, c'est dans ma cuisine. Bernard, c'est dans ma cuisine. C'est dans ma cuisine. Ah oui. Ça nous met un bichic pour lui faire cuire. Ben oui, mais ça prend le son équilibre là. Bernard, on vit cachette bien. Ouais. Le bichic est pas moins. Non, mais Carlo, dis-moi, son papa, il s'en rendait. Oui, pas été chez bichic. Non, il connaît l'adresse. C'est pour ça que tu connais bien alors. Ah, ben oui. Tout le péché bichic, Brapanon. Mais ça, mon grand. Alors, on connaît. Moi, on est moitié pied Saint-André, moitié pied Brapanon. Tant que c'est pas un cul. Entre deux chaises, vous connaissez. Et là, comment ça va bien là? Mon professeur, mon professeur cuisine, là, il s'est dans des couilles, là, mais ça n'y va là. Eh, nous les commis, nous tout y apprenons ensemble. Ah non, mais viens, moi là, il faut monter à moi. Jean-Claude, il faut lui monter à moi. Un petit peu quand même, Carl. Quoi? Ou cuisine un petit peu. Pas trop. Non, mes frères, ils cuisinent bien. Voilà mon frère Fred. Ouais. Et Johan, maintenant il est plus fort que moi dans la cuisine. Il faut reconnaître, moi, il reconnaît moi. Ben, et puis, maintenant mon petit frère Laurent Virapoulet, Laurent aussi cuisine bien. Lui. Ouais. Ben, son madame aussi. Ah, son madame, Manjula, il cuisine bien. Ouais. Ça, il fait bonne plat chinois pour là, Jean-Claude, ah, ou l'issoudoua. Hein. Ah, ben, En passant, il dit un petit, voilà, un petit bonjour. Et voilà. Après, à moi, on n'est pas étranger ici à Saint-Suzanne. Maintenant, mes amis, Laurent Dallo, moi t'es là, t'as 15 jours de ça, avec tes figures, m'étonne bon amour, bonjour, tes figures, ça c'est bon, bon maman. Mais on peut vous dire un petit bonjour à Zasmin, à Zaxon, un petit bonjour à toute sa famille. Voilà, famille d'amour. Et nous autres, allez regarde le clip, Mamzelle d'amour. Ça fait sortir. Le clip, Mamzelle d'amour, fait sortir. Voilà. Alors, Carlo, vous l'avez vu que ça allait dans le mamie là. Ben, Azat là, Azat, tu plaisantes pas ici, Zaté? Ça, Toto, il fait ça? Il plaisante pas, il plaisante pas. Hé, Toto, vous plaisantez pas, oui? Ben là, on a pour manger, là, ça fait quoi ça? Là, pourquoi mettre le poisson? Pourquoi mettre le poisson? Ça met le poisson un instant, là. Allez, mettre le poisson! Les bons, là, le poisson, là, encore là-bas. Nous va revenir un instant, là, les bons? Ben, les bons. Les bons, là, tout à l'heure, là. Ah, joli. Ah, joli, mais on a fait devant Toto. Ouais, je suis commis avec Toto, hein, mais il n'est pas à cause du vieux canal austral et il ne connaît rien. Ouais. Toto, comment il rigole déjà là. Attends, son manger, hein, il est toujours dans les normes, il est bien à faire, il prend son temps et il n'y a pas le sourire, mais son manger est bon. Qui ça dit, oh, Toto, il rigole pas. Mais des fois, pas tout le temps. Hein. Toto, le vrai ça. Et où à Toto, comment où Toto, il rigole après, non? Quand il a envie de danser, son corps est bon. Le média Facebook, toute banane, Mania. Mais regarde son bonne affaire, les bien affaires. Ben voilà. Pas voilà. Bon, là, ça va être dedans, là, alors. Hein. Là, tout petit poisson dedans. Hein. Voilà. Et là, il mélange un coup. Et où sont la mettre le œuf? Allez, dedans, mon Wally, là. Regarde ça, Vienna. Non, tu t'as mis une coupe en dés. On met Ali après, alors, parce que moi, il va cuire un petit peu plus tard. C'est ça, les bons, ça, t'es. Ah, ouais. Là, comment ça va gagner un bon peu d'affaires en plus? Ouais. Bon, non, mais il va gagner un petit peu en plus. Il gagne encore en plus? Tant que tu fais pas un peu en plus. Hein? Alors Toto, ça va maintenant? Après combien de minutes de cuisson là? Elle dure au moins 30 minutes de cuisson, hein? Oui, mais le cabot de foie est le plus dur que le poisson. Le plus dur, hein? C'est pour ça qu'il faut faire cuire un petit peu plus. Hein? Et ouais. Jamais avec de l'eau, hein? Non. Mettre pas de l'eau du tout, hein? Moi, je ne m'y mets pas. Après, dans le monde, je m'y mets. Ah bon? Hein? Après, il faut secouer un peu de temps en temps. Oui. Voilà, hein? Mais en tout cas, les bons, on fait une rajoute dessus de cotomili avec les oignons verts. Ouais. C'est ça, hein? Voilà. Ben voilà, hein? On a le carré poisson rouge, hein? Poisson rouge, cabot de fond. Ouais. Bon, nous mangeons à l'instant là. Allez. Mais qu'est-ce qui est arrivé, piment là? Charline, c'est pas où le fait piment aujourd'hui? Non, c'est pas moi.
À cause pas au fil du vent. Ben parce que ne fais pas comme ça. On fait pas comme ça ou? Non. Hein? On fait mieux que ça. Mieux que ça, plus joli que ça. Non, maintenant on le travail. Ah, on a fait piment, aujourd'hui. Bien fait le travail. Non, le travail en équipe. Hein, travail en équipe. Solidaire. Hein. Solidaire, voilà. Solidaire. Ben, bien Audi là-bas. Hein, fais ça tout seul comme ça en misoukla, hein. Non, mais parce qu'il arrive en retard, c'est pour ça, ça, pour attraper à l'île, ouais. Ah, d'accord, alors. Il est excusé. Ouais, Charline, personne n'a pas oublié mettre de Riofé, non? Non, mettez là, ma fille mettre de Riofé, t'inquiète pas. Vous l'avez vu, heureusement, Charline est là de temps en temps, parce que sinon, ça, des fois, nous ne mange pas. Ben, allez, bon, nous sommes mangés, alors. Allez, bon, avant, peut-être que nous vous demandons Krishna, conseil d'y mettre dans son piment, là. Ah, ben oui. Conseil Nana, hein, montez-nous un petit coup, là, Krishna. Essaye du couvert pour voir ce qu'il y a dedans. Pour moi, il pense que Nana, piment vert, bien sûr. Ouais. De sel. Oui. Zingembre. Oui. L'huile. Un petit peu de vinaigre. Et là, mi-voix, Nena, oignon vert. Oignon vert. Mi pense pas que Nena. Un petit peu d'oignon, peut-être, non, Krishna? Oui, voilà, un petit peu d'oignon. Ouais, mais mi pense pas que Nena fait kobava dedans. La poêle fait kobava dedans? Ben. Pourtant, le papier kobava, il manque d'un coup, hein? Mitao. Ben, s'il faut noter, il faut enlever un point dessus. À partir d'un carré poisson. Mais bon, à tout à l'heure, alors. Allez.